nous, on est des lycéens du lycée La Fontaine des Eaux, donc avec d'autres lycées qui sont venus, comme notamment le lycée des Cordeliers. Et on a décidé de se mobiliser pour rejoindre le mouvement qu'a lancé Greta Thunberg, une jeune fille de 16 ans. Donc je crois que elle est norvégienne. Et elle a lancé ce mouvement pour lutter contre l'inaction des gouvernements et des adultes face au réchauffement climatique. C'est pour ça qu'on est une majorité de jeunes ici. Donc voilà, parce que nous, on doit tout faire ensemble. Donc là, on est parti du lycée. On a fait une marche jusqu'ici, la place du Clos. Et ensuite, on va faire un petit tour dans les ruelles pour continuer à manifester, justement. Ensuite, on ira reprendra au lycée. Et voilà. Donc là, je ne sais pas combien à peu près on est. Tout ça. Voilà, tout ça. C'est vachement cool. Donc, merci à vous. Encore. Et c'est organisé par le club développement durable du lycée La Fontaine des Eaux, donc on a fait trois parties. Non, c'est une bonne. Voilà. Et pourquoi le mouvement s'est déclenché si tard à Dinan? Les lycéens belges sont dans les rues depuis longtemps déjà. Parce que le 15 mars, c'est la journée internationale que Greta Thunberg a lancée. Elle avait fait en sorte que tous les établissements, si possible, puissent se mobiliser. Et donc, Dinan.